Un homme a été arrêté à Green Valley Ranch à Denver dimanche matin pour avoir brisé plusieurs fenêtres et s'être introduit dans une maison. Une victime a déclaré que Roberto Garcia, 28 ans, avait utilisé une brique pour briser la baie vitrée de chez elle vers 8h du matin dimanche. Elle était chez elle avec son fils et son mari au moment des faits. Son mari, un brigadier de la gendarmerie locale, s'est alors muni de son revolver et est sorti pour faire face à l'homme. Selon les rapports, c'est alors que Garcia est parti en courant à deux pâtés de maison plus loin pour briser la fenêtre d'une autre maison. Le député a poursuivi Garcia et lui aurait ordonné de mettre ses mains en l'air. Mais Garcia a alors réussi avec succès à enfin pénétrer dans une maison en brisant une fenêtre où un adolescent était en train de soupiller. L'adolescent aurait alors frappé Garcia à plusieurs reprises, mais enfin, l'homme était trop saoul pour sentir quoi que ce soit. Des témoins ont déclaré que Garcia semblait incapable de parler anglais. Il était drogué. Il a été emmené à l'hôpital pour des blessures qu'il avait subies durant son carnage. Il a fini par être inculpé pour effraction, méfait criminel et possession d'une substance illégale.